Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est vraiment la patate puisque je viens tout juste de voir l'annonce du prochain Call of Duty World War II réalisé par Sledgehammer, et autant vous dire que cet opus va vraiment envoyer du lourd. Alors côté histoire, on se retrouve dans une ambiance seconde guerre mondiale comme attendu. Nous incarnerons nos anciens soldats et nous foulerons les campagnes de France, de Belgique et alentour. On retrouve donc de ce fait des décors à l'ancienne mais aussi des armes à l'ancienne. C'est le grand retour de la MG42, M19A3, M1 Garand ou encore la fameuse STG44, et ça fait vraiment plaisir. Beaucoup de nouveautés ont déjà été annoncées à l'occasion de ce prochain Call of, comme par exemple l'arrivée d'un nouvel espace social qui se nommera le quartier général, où les joueurs pourront se retrouver et y échanger des objets. Alors certaines rumeurs parlent déjà de la possibilité d'accueillir plus d'une trentaine de joueurs au sein d'un même espace social, mais je rappelle bien évidemment qu'il s'agit d'une rumeur. Pas de gameplay multijoueur pour le moment, le multijoueur sera révélé à l'E3, c'est-à-dire du 13 au 15 juin prochain, puisque pour le moment, toutes les révélations qui viennent d'être faites ont été réalisées à Londres aujourd'hui. Côté jeu, comme attendu, on se retrouve avec les exclus spéciales PlayStation. Le jeu de base coûtera 60$, l'édition digitale de luxe coûtera 100$ et contiendra le jeu, le Season Pass et plus. Et enfin, l'édition Pro Edition contiendra le jeu, le Season Pass, le collector en version Steelbook et d'autres choses encore. Petite précision, vous pouvez précommander dès à présent, ce qui vous donnera bien évidemment accès à la bêta. Et attention, énorme nouvelle de cette vidéo, c'est le retour du nazi zombie, et ça fait vraiment plaisir. Imaginez le retour des First Room à la M1 Garand, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de découvrir. Il est annoncé que ce retour du zombie sera fait avec une histoire unique et totalement autonome, c'est-à-dire une histoire complètement désolidarisée et indépendante des histoires précédentes. Et ça, je peux vous dire que ça fait vraiment super plaisir. J'ai hâte de découvrir ce nouvel univers, les nouveaux personnages, les nouvelles histoires. Vraiment, ça me fait plaisir et j'ai hâte de voir ce jeu débarquer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien évidemment, si d'autres infos sortent entre temps, j'éditerai un petit post dans l'espace commentaire et dans la description de cette vidéo pour vous tenir informé. Geekez bien, profitez bien et je l'espère à très vite pour d'autres infos sur ce prochain Call of. Ciao tout le monde !